Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on vous présente deux belles voitures sportives de Porsche, de 911, mais deux philosophies différentes. Complètement. Porsche 911 GT3 Touring, 510 chevaux, une vraie pistarde, une philosophie radicale contrairement à la tienne. Porsche 911, sport classique, 550 chevaux, boîte mécanique, propulsion et plein de clins d'œil au passé et à l'histoire. Vous savez que j'adore ça et je vais tout vous expliquer. Laquelle des deux choisir, c'est la grande question de cette vidéo à travers ce road trip amusant avec Mister Cyril sur les routes du Mans. Et surtout, remercions notre partenaire du jour, Holz, qui nous permet de vivre ses expériences à bord de ces deux Porsche. Et puis surtout, Holz qui nous permettra de les rendre encore plus belles grâce à tous leurs produits de nettoyage. Ça va briller. Allez, c'est parti. On est posté à Indianapolis, on vient d'arriver au Mans, et ce virage, pour moi, c'est le plus fou du circuit. Imaginez-vous, alors là on est dans le sens inverse, mais là-bas, vous avez Mulsanne, une ligne droite. Les voitures arrivent à 350 km/h. Freinage de malade avant l'entrée du premier virage. Et ensuite, ça déboule là-bas, sur Indianapolis, un virage incurvé. Je suis perturbé parce qu'il y a... Intéressant ce que tu dis, mais il y a autre chose d'intéressant. Mais on s'en fout, c'est ça ? Il y a une autre surprise, tu sais, on avait parlé plein de surprises à travers cette vidéo. Ouais, regarde ce qu'on a reçu. Oh les gars. Dans son écran. Je veux bien que tu m'aides, parce que c'est une belle récompense. On va même enlever le petit plastique. Vas-y. Voilà, regardez-moi ça. Et ça, c'est grâce à vous, les copains. Le trophée des 100 000 abonnés. Alors là, aujourd'hui, on est à 105 000 abonnés, mais c'est quand même super cool. Et comme tu le disais, tu le soulignais, c'est grâce à vous avant tout. Merci pour votre confiance, c'est vraiment top. D'ailleurs, au passage, hein, le petit pouce, et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et la cloche et tout ça, merci aux partenaires. C'est top. Merci. En tout cas, on voulait faire un événement exceptionnel pour vous remercier. Donc, c'est pour ça qu'on a pris ces deux voitures exceptionnelles qu'on vous emmène dans un lieu exceptionnel. Trophée exceptionnel, voiture exceptionnelle, personnage exceptionnel, lieu exceptionnel, caméraman exceptionnel. Ouais, d'ailleurs, on le voit pas, d'ailleurs, Thomas, tu peux retourner la caméra. Ouais. Il nous aide souvent. Merci Thomas aussi. Grâce à toi, on a pu aussi atteindre ça. Et celui-là, il est pour vous aussi. Voilà. Allez, et on va essayer de vous faire kiffer. Écoutez cette petite sonorité. Je pense que, regardez-moi, nous sommes aux 24 heures du Mans. Il a posé le genou. Et vous voyez comme quoi c'est vraiment un endroit de légende. Par contre, si vous roulez électrique, que vous mangez du quinoa et que vous roulez en vélo à Paris, venez pas ici. Non, sortez de la vidéo. Vous allez avoir le cœur qui lâche. Mais lui, il a posé le genou et nous, on a posé les quatre roues. Allez, on continue l'aventure ensemble, les amis. Suivez-nous, ça va vraiment. Je vais envoyer du pâté, de la rillette. La rillette. Bon Cyril, ouais. Prochainement il va y avoir les 24 heures du Mans. Ça fait rêver, hein. Voilà, 10 et 11 juin. Les 100 ans. Ça va être incroyable. Ça va être très très lourd, les amis. Et si vous regardez par là, ils sont en pleine préparation à 3 semaines de cette grande course de folie internationale. Donc c'est assez drôle de voir un petit peu les coulisses, comment ça se passe. Ils sont en train de brancher ensemble la partie Porsche et la partie circuit, ce qu'on appelle au raccordement, tout simplement, parce que c'est là où il y a le raccordement. Allez, on continue la visite. Alors, petite parenthèse à faire, sachez qu'il est possible de visiter les coulisses des 24 heures du Mans avec un guide qui vous racontera l'histoire entière du célèbre circuit des 24 heures du Mans, des coulisses aux installations, de la salle de presse à la direction de course et le podium bien sûr des 24 heures du Mans. Pour nous, on continue la visite qui se poursuit avec une autre expérience tout aussi passionnante, la découverte du PEC du Mans, autrement dit le Porsche Experience Center, qui offre de véritables bijoux cachés, comme cette Porsche 356 qui a appartenu à Monsieur Pompidou, ou bien des Porsche plus récentes avec la nouvelle Porsche GT3 RS. Si vous êtes dans le coin, passez y faire un tour absolument, vous ne serez pas déçus. Allez, nous, on continue l'aventure avec ces deux Porsche, et nous bien sûr, au volant.
Bon les gars, je veux pas vous déranger, mais moi je veux bien faire des images, mais là les voitures elles sont dégueu. Hein, les jantes, tout ça, les jantes, les moustiques et tout, faut faire quelque chose. On a un peu fait ouais. Des gros freinages aussi hier, donc forcément bon. Les jantes elles ont pris. Ben on en gros, tu nous demandes de nettoyer les voitures, c'est ça? Un peu, ouais. Ok. C'est pas énorme. Bon, bah chacun la sienne et puis on nettoie les jantes déjà, on commence par les jantes. Allez, vas-y. Allez, vas-y, go, allez. Shit. Garantir qu'on fera, franchement ça brille. Hein. 3 minutes par jante, franchement pas plus. Bon, moi les petites jantes noires satinées en option avec le liseré rouge, tu peux l'avoir aussi en bleu. Bon, 1800 euros, toi t'as pas d'option, tu peux rien dire. Arrête de parler travail. Allez, t'es pas rangé. Là, je suis content, vous avez vraiment pris au sérieux la mission quoi. Ah ouais, c'est un C63. J'ai repris la caméra juste pour vous dire, regardez l'engin. Un C63 AMG aménagé pour faire du travelling avec tout le dispositif de caméra. C'est incroyable. On est à l'Ibis sur le virage Mulsan. Un Ibis pas comme les autres, alors on n'est pas du tout sponsorisé par l'Ibis, mais je trouve qu'il était raccord avec l'esprit du Mans et surtout la voiture de Cyril avec le petit numéro 60. L'intérieur fait hommage à plein d'acteurs sur l'automobile, même de pilotes, donc c'est plutôt sympa. Les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire le plein quand même, c'est quand même important. Ouais, j'ai plus que 160 km d'autonomie, moi j'ai un petit réservoir. Ah voilà, il a tout de suite, hein, il a cherché tout de suite. Hein. Bon, nous, il nous reste à peu près 260 km d'autonomie, mais on va faire le plein et puis on fera le petit point de conso juste après, c'est quand même important en Porsche. Allez, on continue ce road trip au Mans. Très bonne excuse pour pas faire le plein, tu peux nous le dire. Un bloc de béton et l'envie de pas défoncer la porte. Voilà la bonne excuse. Ah, vous avez vu les gars, c'est moi qui fais le plein pour Cyril. Je crois il a 67 litres de volume de carburant. Une option à 130 euros. Fais le plein de la GT3. Vas-y tout droit. Vas-y. Tu veux filmer, alors pas mon code, hein, c'est pas le plus important. C'est le moment de la douloureuse. Alors, la petite option encore une fois. Voilà, si vous voulez, tu veux le petit bouchon personnalisé Porsche, 130 euros en plus. Allez, la douloureuse. Là on a 90 litres de carburant, donc on en a bien avec beaucoup plus. A noter, le litre ici n'est pas cher. 1,86 alors que nous on est à 2 euros. Pour du 98 en fait. Pour du 98 quoi. Et regarde Cyril où il s'est garé. Il est pas mignon comme ça. Là tu peux coter parce que ça va être long. Lui on lui a mis 43 litres. Ah bon, moi j'ai 41,93. On a fait les mêmes distances. Bon allez, on va voir l'autonomie juste dans quelques instants. Bon, le petit point autonomie avec ce réservoir de 90 litres en option 538, on peut presque faire 600 km en ayant une conduite un peu plus légère que la mienne. Et puis on va voir Cyril avec sa 911 Sport classique qui lui a un peu moins en termes de capacité de réservoir. Il a 67 litres. Cyril, t'es à combien toi? 442 km. 442 km, bah écoute, hein, c'est... T'es pas obligé de dire à tout le monde que j'ai un plus petit réservoir. Hein. Mais t'as dit, ouais, bah ouais, mais il faut bien compenser par là. Hein. Toi, t'as la beauté. T'as la beauté, moi j'ai les performances et un réservoir plus grand, voilà. C'est tout. Okay, mais finalement, j'ai quoi? J'ai 100 km de plus que toi, finalement. C'est pas, oui, que, c'est pas si énorme que ça. Hein. En conso, ça donne quoi là? En conso, hier sur autoroute, j'étais autour des 12,5 litres à 130 km/h. Toi, pareil? 12,6. Ah ouais, bien. Ouais. Ah ouais, pas mal. Par contre, quand je tire dedans, bah là, j'étais à 25 litres au 100, tu vois. Ça se calcule pas là, mais. Mais ouais, ouais. En stabilisé, alors celle-ci, elle est donnée pour 10 litres. Bon, honnêtement, hier sur autoroute, alors on s'est un peu amusé aussi, on a fait des accélérations après le péage jusqu'à 130, voilà, j'étais aux environs de 12. Là, ça reste quand même raisonnable pour des voitures qui sont proches de performances de supercar. Hein. Bah oui, à très haute performance. Voilà, bon allez, on reprend la route. Allez.
Je vous emmène avec moi à bord de cette GT3. Écoutez, on va se mettre en mode sport quand même pour profiter un petit peu des vocalises. Boîte PDK à 7 rapports. Un moteur flat 6 atmosphérique. On va se mettre en manuel. D'entrée de jeu, je sais même pas si vous m'entendez tellement, c'est bruyant à l'intérieur. On a l'impression qu'on fait corps avec le flat 6 à l'arrière. Flat 6 atmosphérique qui fait 510 chevaux, 470 Nm de couple et surtout des performances plus rapides qu'une GT3 avec l'aileron à l'arrière. On est sur un 0 à 100 effectué en 3 secondes 4. C'est absolument incroyable. Le souffle coupé tellement c'est juste impressionnant. Vitesse max 318 km/h, elle est un peu moins rapide que la GT3 classique, donc autant vous dire c'est vraiment une caisse de course pour route ouverte. C'est absolument incroyable, vraiment incroyable, tant la sensation, le feeling, la direction chirurgicale, il n'y a pas à dire, hein. Cette GT3 Touring, elle est juste formidable. C'est vraiment une voiture de course civilisée. Moi, j'aimerais avoir votre avis, en toute discrétion, bien sûr. Est-ce que vous préférez cette GT3 Touring, Pack Touring, pardon, ou alors la 911 Sport classique de Cyril? Dites-le moi un petit peu en commentaire, sachant que la différence de prix est assez énorme. On est sur 90 000 euros de différence. Je dis ça, je dis rien, mais vous de me dire un petit peu en bas en commentaire, mais le dites pas à Cyril. Pas les mots, c'est vraiment une voiture de pilote, mais je suis pas du tout un pilote et autant vous dire que ça reste une propulsion, donc faut quand même faire attention. Vous avez trois modes de conduite, le mode normal, le mode sport avec lequel je conduis actuellement et le mode track, et autant vous dire que c'est une voiture quand même assez polyvalente, une vraie pistarde, mais sur la vie de tous les jours, dans la route de tous les jours, ça peut le faire. Alors j'irai pas acheter une baguette de pain avec, parce que les sièges comme ça en option en coque carbone, ils sont assez inconfortables. Mais autant vous dire que je suis assez surpris de la sonorité, hein. Le moteur hurle jusqu'à 9000 tours minute. Ça chante comme pas possible, c'est juste incroyable. Je vais marquer un temps de pause pour me remettre de tout ça, parce que c'est juste impressionnant. De vous parler un petit peu des sensations de conduite au volant de cette 911 Sport Classique. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de sensations de conduite. Et on retrouve aussi, grâce à la boîte manuelle, des sensations un peu perdues. Alors certes, on est moins performant sur des accélérations, etc., etc. Mais c'est quand même un petit bonheur retrouvé, ce passage de vitesse, d'autant plus que la boîte, regardez, ici est extrêmement courte. Et surtout, regardez à l'écran, j'ai activé ici le double débrayage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement, la voiture, et là je vais rétrograder pour que vous l'entendiez, je me tais. La voiture fait ce qu'on appelle un double débrayage. Le principe, c'est simple, c'est que quand je débraye, train roulant, on va dire, du moteur, bah le moteur va tourner à une certaine vitesse et l'embrayage à une autre vitesse. En fait, ça donne un petit coup d'accélérateur, histoire que les deux, parce que comme le moteur va descendre dans les tours minutes, que les deux tournent à la même vitesse, et au moment où on embraye, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de perte de puissance, ni on ne maltraite pas le moteur. Bref,
Je n'ai pas été très clair, mais je pense que vous aurez compris. Le double débrayage, c'est un truc de voiture sportive. C'est en général peut-être un peu compliqué à faire, et bien au moins ici, elle le fait toute seule. Et deuxième avantage de ce double débrayage, c'est que franchement, à l'oreille, c'est kiffant. On entend également l'antifab qui fait glouglouter l'échappement, blum 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 blum. Ça, c'est l'avantage d'avoir un moteur biturbo, c'est qu'il y a l'antifab et donc du coup, ça donne des petits glougloutements assez sympathiques. Maintenant, en termes de châssis, je suis sur une propulsion, mais honnêtement, j'ai pas la prétention d'être un pilote pour vraiment, vraiment sentir la différence avec une 4 roues motrices. Donc du coup, moi en propulsion, ça me va très bien, évidemment, hein, y a l'électronique qui veille. Les suspensions en mode confort, c'est confortable, mais ça reste ferme. Quand on commence à passer en mode sport plus, on sent plus les irrégularités de la route. Mais par contre, ce qui est intéressant dans une 911, en règle générale, c'est qu'on reçoit vraiment toutes les informations de la route. C'est-à-dire que le châssis est tellement rigide, la direction est tellement directe qu'on a vraiment toutes les informations et on peut réagir en conséquence sur le volant. Bref, un vrai bonheur, un vrai plaisir de conduite. Mais j'ai envie de dire, évidemment, c'est une 911, quoi. Ça peut être, ça fait plusieurs 911 que j'essaye. Il n'y a personne qui peut dire « Ah, une 911, c'est bof !» Non, non, c'est voilà, c'est 911, quoi. C'est du bonheur, du plaisir. Le seul truc, en termes de sensations, c'est vous avez toujours cette petite déception au moment où vous la rendez, parce qu'en fait, vous voulez après une 911. Et puis, vous n'avez pas une 911. Donc, c'est là où est la déception. C'est qu'en fait, on la voudrait bien pour tous les jours. D'autant plus en sport classique, parce que c'est vraiment utilisable tous les jours en quotidien. Florian, devant, il fait le malin dans sa GT3. Mais je peux vous dire qu'au quotidien, il ne la prendrait pas. Alors que la sport classique, sans problème. Bon, c'est parti, Cyril, tu nous présentes ton petit bébé, puis à moi, à mon tour, après, pour vous présenter la GT3 Touring. Alors, petit bébé, gros bébé quand même, les amis, hein, puisqu'on est sur, quand même, une pièce rare, la 911, mais, vous voyez, c'est écrit dessus, en sport classique. C'est une voiture destinée aux gens comme moi, qui ont besoin de références à toute l'histoire de la marque. Et celle-ci, elle en est blindée. N'achetez pas. Mais tout de suite, vous voyez, faut qu'il me bombe ma vidéo. Hein. Attends, vas-y, fais la tienne, tu vas voir. Bon, bref, revenez ici. Déjà, je veux juste vous parler du lettrage. Si vous avez remarqué qu'il est doré ici. Et partout, en fait, dans la voiture, vous avez du lettrage doré. En fait, cette 911, elle fait partie de la gamme qu'on appelle héritage. Et comme son chiffre l'indique ici, sur la portière, 60, elle est là pour évoquer les années 60 jusqu'à fin 60, donc début des années 70. Et donc ce lettrage, en fait, c'était le lettrage qu'il y avait sur les toutes premières 911. C'est-à-dire que sur les toutes premières 911, vous aviez du lettrage doré. Et ça, ça a été abandonné entre 1965 et 1968. Donc là, on est pile dedans. Sur cette 911, on a également ce qu'on appelle l'aileron queue de canard, une légende introduite par la RS de l'INSET en 72 et qu'on a pu retrouver également sur d'autres sports classiques. Regardez ici les ailes. En fait, on a des ailes larges. Pourquoi ? Parce que cette 911 type 992 sport classique est basée sur un châssis de turbo. Eh ouais, on a le moteur biturbo, mais par contre, on n'a pas les 4 roues motrices. C'est une pure propulsion. Pour vous parler des roues, encore une fois, ici, on a des roues spécifiques et les plus connaisseurs d'entre vous remarqueront le clin d'œil aux célèbres jantes qu'on appelait les jantes Fuchs, avec cette partie en noir et l'intérieur ici en aluminium. Le 60 pour la décennie. Le rond ici, c'est un sticker, ça, hein, c'est une option gratuite chez Porsche, faut le souligner. Regardez ici le lettrage doré, que je trouve très joli sur cette sport classique. Ce sont les deux bandes sport qui sont là peintes. Vous voyez ici, ce ne sont pas des stickers, elles sont bien peintes sur ce capot qui d'ailleurs est un capot tout carbone. Bien évidemment, ici, le réservoir
sur l'aile avant avec le bouchon Porsche qui est une option. On va le remettre droit parce que on est pointilleux. Et alors après vous allez me dire oui d'accord, mais combien? Bon, ah, c'est là que ça pique un peu, j'avoue. En fait, je n'ose pas vous dire le prix. Avant de vous dire le prix, juste un dernier détail quand même, parce que ici, on a le badge, le blason Porsche Heritage, pour dire que c'est la division Porsche Heritage qui a conçu cette merveilleuse auto. Ouais, je sais, je ne vous ai pas encore dit le prix. Bon, allez, je vous l'annonce. À partir de 286 000 euros. C'est là que j'interviens. Excusez-moi. Juste un truc. Excusez-moi. Ça fait pas un peu beaucoup quand même. C'est quand même. Non, parce que elle est limitée. Hein. C'est une série limitée, 1250 exemplaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, à un moment, le robinet s'arrête et forcément, la cote grimpe. Regardez la cote des 911 Sport Classique des générations d'avant. Elle fait que monter. Alors oui, c'est cher, mais c'est un investissement cette auto. Et en plus, je peux vous dire qu'elle fait tourner toutes les têtes, ouais. Plus que la GT3, sauf quand tu la démarres. Je dis ça comme allez, ça. Allez, je te laisse la transition. Je suis vraiment, c'est un hasard, on se voit, on est à Oman. Ouais, comme par hasard, t'inquiète-vous que voulez-vous. La Porsche 911 GT3 RS, elle vaut 253 000 euros. C'est quand même 33 000 euros de moins que celle-ci. Oui, mais dans la GT3 RS, tu vas pas faire un Paris Saint-Tropez. Non, mais je dis ça, je dis rien. Alors que dans celle-là, aucun problème, j'ai plein de confort. J'ai pas encore parlé de l'intérieur, hein, je vous fais le tour intérieur tout à l'heure. On fera juste après. C'est quand même 90 000 euros de plus que cette fameuse et magnifique GT3 Touring. Je sais pas si t'as terminé sur ta voiture. Ouais, 90 000 euros, mais ça va te coûter combien en kiné et en ostéo pour ton dos? Alors, moi je t'explique, la philosophie de cette GT3 Touring, c'est que la semaine tu roules en Macan GTS. Elle est en Macan parce qu'à 90 000 euros de différence, t'as un Macan de base entre guillemets. Ouais. Et puis le week-end, tu fais une petite sortie sur piste avec madame. Effectivement, t'as un petit mal de dos, mais pour ça, j'ai la solution. Tu enlèves 5 000 euros d'options sur les baquets carbone, ouais. Et puis t'es plutôt en confort avec faux. Les mêmes sièges que toi. Bon, et tu sais quoi, moi je vais partir, je vais te laisser présenter ta GT3 Touring parce que tu m'énerves. Bon, moi je vais faire plus court et concis. En deux mots, c'est une voiture de course homologuée pour la route. Ok ? Une voiture de course homologuée pour la route, plus c'est une voiture qui plaira aux puristes, puisqu'on est sur une GT3 de base, on a enlevé l'aileron. Sachez que c'est le même moteur que la 911 qui participe aux courses de Porsche Cup. Donc c'est plutôt pas mal quand même, hein, comme moteur. Moteur atmosphérique, mais regardez déjà l'esthétique de cette beauté. GT3 Touring, un prix qui commence à partir de 196 000 euros. Et oui, moins de 200 000 euros. Il faudra rajouter à peu près 50 000 euros de malus. Ça, je ne sais pas si Mister Cyril vous en a parlé, du 50 000 euros de malus. Mais là, sa voiture, elle dépasse largement les 300 000 euros. Hein, on est d'accord? Bon, après, esthétiquement, moi, j'ai des choses à redire. Et c'est vrai que l'esthétique de la Sport Classique, on n'a rien à redire. Et je trouve qu'elle est sublime. La GT3 Touring, j'ai quelques petits reproches à faire à ces fameux évents sur le capot qui sont un peu trop prononcés esthétiquement sur cette couleur carrosserie craie à 3600 euros. Pare-choc avant, pareil, j'ai un petit peu du mal. Il est un peu trop peint. Bah, je suis pas super fan, mais après, c'est une question de goût. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est ces fameuses jantes. Jantes 20 pouces à l'avant, équipées de pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup qui accrochent véritablement la piste. C'est vraiment ces pneumatiques qu'il vous faut, hein, si vous voulez faire de la piste avec cette GT3 Touring. 21 pouces à l'arrière. On est sur des gommards qui sont un peu moins larges à l'avant, comme d'habitude, tradition oblige, puisqu'on est sur du 285 de large, 315 à l'arrière. Autant vous dire qu'on a des gros gommards qui accrochent la route. Bon, esthétiquement, elle est sobre, hein, cette GT3 Touring. On a quelque chose d'assez fin, assez épuré. On est voire presque un peu trop épuré à mon goût quand tu la compares forcément à la Sport Classique. C'est vrai que regarde, Cyril il dit rien, mais on est tous fans, hein, de cette Porsche Sport Classique. D'ailleurs, enfin peu d'objectivité. Non mais c'est vrai, et d'ailleurs on te rejoint sur cette objectivité, c'est qu'on a fait un sondage sur Instagram, oui. Et vous êtes à peu près 53% à préférer la Sport Classique que la GT3 Touring. Vous êtes 43% à peu près, et il y en a 5% autres qui ne veulent pas de Porsche. Bon, je ne comprends pas pourquoi. Écoutez, chacun ses problèmes. Hein. Chacun ses problèmes. Voilà. Bon. Parce que c'est un problème, monsieur, de ne pas vouloir de Porsche. C'est un problème, oui.
Ça reste un rêve quand même. Moi, je souligne qu'un jour dans ma vie, j'espère avoir au moins une Porsche 911, peut-être pas une GT3 Touring parce que le prix d'entrée est assez élevé, mais pourquoi pas. En tout cas, ici, la petite différenciation par rapport aux autres 911, c'est qu'on aura ici la fameuse grille spécifique à cette GT3 Touring avec la petite mention. Ici, le logo Porsche très discret en noir brillant. Cette double sortie d'échappement centrale et cet énorme diffuseur qui permettra effectivement d'appuyer la voiture à haute vitesse. D'ailleurs, on a un fond plat en dessous qui permettra vraiment d'atteindre la vitesse record de 318 km/h. C'est un peu moins que la GT3 classique avec l'aileron, mais elle est beaucoup plus rapide puisqu'elle fait 3 secondes 4 au 0 à 100 grâce à la boîte. Et là, vous allez me dire, oh, les puristes, ils vont partir la boîte PDK à 7 rapports. Mais vous pouvez, comme Cyril, prendre la boîte manuelle, hein, c'est gratuit au catalogue. Et là, par contre, vous allez perdre à peu près 0,5 secondes. Donc, vous allez être autour des 4 secondes pour atteindre les 100 km/h. Mais le plus important dans cette voiture de sport, c'est l'échappement et ce flat 6 4 litres qui fait 510 chevaux. Certes, un peu moins que la sport classique. Mais par contre, je vous propose juste de prendre du temps. On va écouter cette mélodie ensemble. Bon, alors vous avez entendu cette sonorité, cette mélodie hein, du flat 6 vraiment particulière avec une zone rouge qui atteint les 9000 tours minute, c'est juste assez incroyable. Alors, il y a eu un vrai travail de fait hein, sur l'échappement avec une ligne inox complète. On va dire que les ingénieurs motoristes et sonoristes porschistes se sont lâchés. Autre chose que je voulais aussi vous parler, c'est le système de freinage. Hein. C'est vrai que Porsche met un point d'honneur à véritablement rendre ces systèmes de freinage efficaces. On est sur des étriers à l'avant de 408 mm de diamètre et surtout ces énormes étriers rouges Porsche à 6 pistons, vous avez vu, ils sont un petit peu inclinés. C'est assez rare de voir ce dispositif de freinage. Et c'est surtout à l'arrière. Regarde à l'arrière, tu verras. Tu as aussi des étriers à 4 pistons. C'est assez énorme avec un diamètre sur les disques de frein de 380. C'est quand même assez impressionnant. Il faut que la force de freinage soit deux fois supérieure à la force d'accélération. Donc, c'est la marque de fabrique chez Porsche depuis des générations. Parce que accélérer, honnêtement, pour une marque de voiture, c'est facile. Freiner, c'est quand même aussi important. Freiner, et puis non, en course, c'est là où tu marques les points, c'est sur les freinages. Exactement. Du céramique, moi j'ai pas de céramique, moi c'est des freins en acier qui sont déjà de très bonne qualité, très endurants. Honnêtement, on n'a pas vu les limites de ce freinage. Alors attention, on n'était pas sur circuit, même si on est au Mans, même si on a voulu se faire plaisir. Mais en tout cas, une excellente voiture pour rouler sur piste, une véritable pistarde. Au quotidien, on verra juste après, il y a des petites choses à redire, mais elle n'est pas si parfaite que ça, mais c'est pour ça qu'on aime aussi cette GT3 Touring. À vous de choisir. Surtout sur l'allure de Thomas quand même, regarde. Vas-y, regarde. Tourne la caméra, le mec il est badgé Porsche, il a acheté le truc Porsche, rien sans ouais, peur. C'est beau, moi j'admire. Hein. On a fait une vidéo de nuit d'ailleurs, donc si vous voulez regarder la vidéo de nuit, je ne sais pas si elle est encore sortie ou pas, on a regardé celle-ci, elle se vend 475 000 à 500 000 euros. Donc en fait, c'est un investissement. C'est un investissement. Alors, je ne vais pas mentir, elle est excessivement chère. Et quand on va signer le bon de commande, on se dit, en fait, une GT3 RS, ça fait envie et c'est moins cher. Ouais, mais est-ce qu'elle va évoluer de la même manière? Je ne sais pas. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que ça devienne une voiture d'investisseur et qu'on n'en voit plus dans les rues. Ça serait dommage. C'est ça. Quelques spécificités techniques. Je l'ai dit sans bafouiller. Ouais, c'était pas évident. Bravo. Moi aussi, j'ai un flat 6. Oui. Par contre, il a deux turbos. C'est un 3,7 litres, il est un peu plus petit. Bouh, que dans les turbos, on n'aime pas les turbos, on préfère les Atmos. Je me fatigue. la transmission, c'est sur la mienne une boîte manuelle à 7 rapports. Et alors, petite, ça va le bras enfin, ouais, ça va. Ah, il est bien musclé le bras. Ouais, ça va. Hein, ça va. Et petite donnée intéressante, déjà le système de freinage, on est sur de la céramique d'origine. De série, jantes 21, et puis des roues arrière directrices, ce qui facilite grandement les manœuvres. Et puis le poids, elle est un peu plus lourde que la mienne, hein. Moi, 1435 kg, on joue sur la légèreté. 1570. Toi, c'est une GT finalement. Mais moi, j'ai des sièges réglables dans tous les sens, j'ai plein de gadgets électroniques, donc forcément, elle est plus lourde, et puis j'ai aussi des places arrière. Oui, c'est vrai, une importance qui fait qu'elle sera beaucoup plus polyvalente la tienne. Que la mienne, mais c'est pas comparable. C'est pas comparable. Ça pour moi c'est une pistarde et ça c'est une GTA. On est d'accord, idéalement ce serait d'avoir les deux finalement. Ouais, dans fait son ça. Garage. Ouais, on fait ça. Allez, on fait ça. On appelle nos banquiers et on fait un petit placement. Bon, moi en tout cas, je vais vous présenter l'intérieur parce que là aussi j'ai plein de choses à vous dire.
référence au passé sur cette sport classique, en fait, l'intérieur n'est que clin d'œil. Allez, on y va, je te laisse rentrer par l'autre côté. Juste, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais on a quand même le petit badge sur l'aile. Porsche Exclusive Manufacture. Ça veut dire que là, on est vraiment dans le haut de gamme chez Porsche, dans le cousu main. Allez, on y va. Qui saute aux yeux, c'est quoi? Bah, ce qui saute aux yeux quand même, c'est la combinaison de couleurs. Et vous l'avez vu, ça. Alors, en français, on dira pied de poule, mais ce pied de poule, en fait, c'est une vraie référence au passé, puisque, encore une fois, les premières 911 des années 60 proposaient aussi ce pied de poule appelé Pépita. Eh ouais, on a ici du Pépita. Toujours les clins d'œil au passé. Regardez les habillages. Vous voyez ici, ce bois-là. Eh bien, en fait, on l'a un petit peu partout. Ça, c'est un bois assez brut. Vous voyez, c'est pas verni, c'est pas travaillé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans les premières 911, on avait ce type de bois assez brut. Ils avaient mis du bois parce que ça se faisait à l'époque, mais finalement, sans trop s'embêter. Et bien là, on a ce rappel-là. À droite, sur la boîte à gants, le lettrage 911, sport classique, avec le numéro dans la série. Je vous rappelle que c'est une série limitée à 1250 exemplaires. Là, de tête, on est sur le 1099. Et donc, le lettrage doré, encore une fois, qui a existé chez Porsche jusqu'à la fin des années 60. On va se rapprocher des compteurs, parce que là aussi, j'ai à vous parler. Donc, regardez le fond de compteur. Vous voyez là, le lettrage vert ici. Eh bien, ce lettrage vert, c'est pareil, c'est un hommage au passé. Les premières 911 avaient ici ce lettrage vert. Donc, pour quelqu'un comme moi qui aime les anciennes 911, en fait, quand je suis au volant, eh bien, j'adore avoir tous ces petits clins d'œil de la marque qui me disent, voilà, bienvenue dans l'univers 911, l'univers 911 de toujours. Petit focus sur le confort, puisque ici on a tous les éléments de confort. Alors bien sûr les aides à la conduite, hein, maintien dans la voie, etc., etc. Mais surtout au niveau des sièges, j'en parle pourquoi? Parce que j'ai un copain à côté en GT3 Touring qui a mal au dos avec ses sièges en carbone paréglade du tout. Et ben en fait ici j'ai des sièges intégralement paramétrable. L'écartement ici au niveau de l'assise, la longueur de l'assise, l'écartement au niveau du dos. On a toutes les positions et franchement, voyage confort. Je peux intervenir? Vas-y. Franchement, t'as beau me dire que tu peux régler ton siège, mais avec ta bague et ta montre Rolex, pour régler quand t'as fermé la portière, je veux pas te mentir, tu peux plus régler ton siège. Mais voilà. Si, alors ça autant passe. Avoir hey, j'ai pas de bague. Bague et pas de carbone, et puis voilà. J'ai hein pas de bague, j'ai voilà. Pas de bague. Tout est dit, mauvaise foi, ok, je l'assume. Gna 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 gna. Et surtout, ici, on va aller voir, on a des sièges arrière. Alors, on a une petite languette en cuir, tiens, montre-la de ce côté-là. Et avec la possibilité aussi donc de rabattre le siège, c'est un peu dur parce que à mon avis il n'y a pas grand monde qui est derrière. Allez, on va essayer, voilà, de faire ça proprement. Et en fait avec ici les sièges qui vont pouvoir se rabattre pour faire quoi? Pour faire un espace de rangement de bagages supplémentaire. Ça c'est juste typique 911. Et il faut qu'il fasse du bruit. Je termine juste par le niveau de finition. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi ce ciel de toit qui est en Alcantara aventillé. Et je laisse la main à Flo. Là, il vient de m'envoyer un signal tout à fait discret pour me dire ferme ta gueule, c'est à moi. Ça sert à montrer l'habitabilité à l'arrière et tout. Moi j'ai fait la démonstration qu'une Porsche, c'est une voiture à vivre aussi de l'intérieur. Polyvalente. Et celle-ci est vraiment la plus polyvalente des deux, là on va pas se mentir. Bon, moi ça va être très court. Parce qu'il n'y a rien. Ça va être très court. Thomas, je te laisse faire le tour. Mais oui, il n'y a rien. Il n'y a rien de spectaculaire à l'intérieur. C'est très austère, très sobre. Je vais même pas. Allez, je vais vous faire la démonstration pour rentrer dedans, mais autant vous dire que. Je vais toucher un petit peu de me contorsionner comme ça, de cette manière, avec le fessier qui vient de rentrer un petit peu sur la partie du baquet. Donc un baquet full carbone à plus de 5000 euros, je ne prendrai pas, clairement, en toute sincérité. Pourquoi? C'est que
Ah, t'as eu, tu as un bouton de réglage, regarde. Ah ouais, ouais, tu, c'est la hauteur, c'est ça? Tu montes et tu descends. C'est plutôt pas mal. Ah ouais, le siège ne s'incline même pas. Enfin, dossier s'incline pas. T'as le dos comme ça. Alors, une superposition quand tu fais de la conduite. Le dos en Y. Conduite sur, ouais, le dos en Y, c'est ça, c'est un petit peu ça. Et alors, superposition par contre quand tu fais de la piste, mais c'est vrai qu'au quotidien, ça devient assez compliqué. Donc, c'est pour ça que je disais que cette GT3 de Touring, dans cette configuration, elle est top pour le week-end si tu veux faire des petites sorties circuit ou t'éclater un petit peu en conduite dynamique. Mais au-delà de ça, aller chercher la baguette de pain, alors aller chercher les enfants, c'est même pas la peine, mais de toute façon, c'est pas le but du 911. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu raide, hein. Tu confirmes, Thomas? Je confirme, elle est très très raide. Très très raide. Bon, alors, la seule note de finitude à l'intérieur, plutôt de sportivité, c'est peut-être plutôt le bon terme, c'est d'être raccord avec ta veste, avec le zip de ta veste, c'est le rouge Porsche. On a quand même pas mal d'options, on a plus de 30 000 euros d'options sur cette voiture, aussi bien des options extérieures qu'intérieures. D'ailleurs, je vous invite à voir la description clairement de cette vidéo parce qu'on n'aura pas le temps dans cette vidéo d'expliquer toutes les options, ou sinon allez voir notre vidéo de nuit où on a tout détaillé, toutes les options. Mais c'est vrai que par rapport à celle de Cyril, lui, tout est de série, moi, il faudra rajouter toujours, comme d'habitude, tradition oblige chez Porsche, de rajouter des options sur le catalogue. Boîte PDK ici à 7 rapports, les puristes ne vont peut-être pas forcément aimer, préféreront peut-être la boîte manuelle à 6 rapports. Je le comprends, surtout si vous l'utilisez que le week-end, et en plus c'est gratuit, il n'y a pas besoin de rajouter en plus pour la boîte PDK ou pour la boîte manuelle. Donc ça c'est plutôt cool. Sinon sans ça, voilà, même ça, le fond de compteur ici rouge, c'est facturable, les ceintures rouges, c'est facturé, bon bref, et ça ici, le petit pack fumeur, voilà, si tu veux un petit cendrier qui va fumer dans sa GT3 Touring, je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi j'en ai terminé, je fais beaucoup plus court que Cyril parce que bah il y a moins, ouais, de choses à dire, mais voilà. Moi je suis jaloux, tu sais quoi, je suis jaloux d'un petit bouton que tu as et que je n'ai pas. Ah. Alors ici j'ai la petite molette drive mode aussi, ouais, mais j'ai pas le petit bouton boost. Ah ouais, ce bouton il est juste magique parce que tu sais qu'il te met en sport plus, bah, il te descend les rapports direct, et alors là la voiture elle hurle, et quand tu roules devant moi, ça manque un peu chez moi. Alors c'est bien que tu le précises, et j'admire ton honnêteté. C'est vrai que cette voiture, c'est la sonorité. Et à chaque fois que je double Cyril en GT3 Touring, je pleure. Alors il pleure déjà, je le vois faire oh, comme j'ai ça. La larme, et puis il a toutes les vitres surtout descendues. Hein. Voilà. Parce que j'écoute quand même, je pleure, j'écoute et j'ai les poils. Et tout ça à 90 km/h en deuxième, et je vous garantis qu'on est à 8000 tours bien minute. Bien sûr, bien sûr. Oh, symphonique, et c'est dingue. Cette dingue. Sonorité me rend fou. Finalement, la config parfaite, et on en parlait tout à l'heure, ouais, c'est la tienne, hein, c'est un sport classique, mais il faudrait mettre ce fameux moteur Atmo dans la tienne, en fait. Tellement. Et là, tellement. Mais là, je pleure là, de plaisir, de bonheur. On a une config, mais de dingue. La 911 ultime, quoi. De dingue. Et alors, en parlant de config, moi, personnellement, si vous posez la question quelle config prendre, je ne prendrais pas du tout cette config-là, en toute honnêteté. Je prendrais un vert British, je n'ai pas le nom au catalogue. Ouais. Vert British avec peut-être ces mêmes jantes, avec un petit filet autour des roues, un petit rebord vert, ça peut être sympa. Mais, et puis un intérieur beaucoup plus clair, un peu plus de vie. J'aime beaucoup, hein, les intérieurs où c'est clair, un clair marron, pas blanc parce que ça risque d'être très salissant, mais un intérieur clair, c'est quand même mieux. Voilà. Sur ces belles paroles, on passe à la suite. Je suis un petit peu jaloux quand même de la voiture de Cyril. Ah, franchement, j'avoue. Ah, je me verrais bien au volant quand même. Ah, tiens, regarde. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regarde. Discrètement, regarde. Regarde. Tu fais quoi, Cyril? Mais il y a un moment, il faut être objectif. Alors, excuse-moi, donc, c'est pas une sport classique. Là, tu t'es trompé de Porsche, bizarre. Non, parce que c'est la même couleur, mais bon. Tu sais que depuis hier, tu te plains du baquet. Et je me disais, mais est-ce que chez Porsche, ils ont pensé à des gens comme moi, exagérément musclés, tu vois? Eh ben, en fait, ouais, regarde. Je suis bien, en fait, moi, dans le baquet. Eh ben, oui. Par contre, oui. T'as raison. Ouais. Ça manque d'un réglage d'inclinaison. Ouais, musclé. Ça manque, ouais. Parce que là, je suis droit de ouf, quoi. Mais finalement, comme tu disais aussi, la position de conduite pour du circuit et de la conduite sportive, elle est juste parfaite. Ah ouais, c'est clair. Bon, t'es prêt pour la piste? Bon, hey, du coup, moi je te propose un truc. Tu me la files, je te file la mienne, et puis on en parle. Moi j'ai hâte de voir un petit peu ton avis à... Ouais, ouais, allez. Et puis on se fait un petit bilan, passation du coup sur les deux Porsche, on verra nos impressions rapides.
profite d'être au volant de cette GT3 Touring et de vous donner aussi mes sensations de conduite pour vous parler un peu de l'histoire aussi, parce que vous me connaissez, hein, j'aime bien les histoires. On est ici sur la ligne droite des Hunaudières. La ligne droite des Hunaudières qui, jusque dans les années 60, je crois, était une vraie ligne droite de 4 km, vous imaginez, à fond de train. Il y en a qui ont pris 417 km/h, il y en a qui se sont envolés aussi, on n'en parlera pas. Après, il y a des ralentisseurs qui ont été rajoutés, hein, on appelle ça des chicanes. Mais vous imaginez quel bonheur de pouvoir rouler ici sur une portion du circuit, parce que quand les 24 heures du Mans ne sont pas en cours, on va dire, eh bien cette portion de route est ouverte à la circulation. Et encore une fois, je peux que vous conseiller de venir rouler. Vous allez pouvoir profiter d'un morceau du circuit. Vous voyez, on a les ralentisseurs, les pneus, on est vraiment dans l'univers du Mans. Alors maintenant, pour parler des sensations de conduite au niveau de cette GT3 comparativement à la sport classique, on est radicalement ici dans l'univers du sport. Tout est plus ferme, ne serait-ce que déjà le baquet. On est dans un baquet 100% carbone. On est dans une configuration de suspension beaucoup plus ferme, dans une réponse moteur beaucoup plus sportive. Bref, on est là dans un environnement plus radical. Tout est orienté sur la conduite, le pilotage. On va aller prendre le virage au niveau de Mulsanne, et puis on va aller comme ça jusqu'à Indianapolis, toujours en respectant les limitations de vitesse. Là, je suis à 50 km/h. Et ce qui est bien avec cette GT3 Touring, c'est qu'elle est tellement expressive, on ressent tellement la route, hein, parce que on est en direct sur la route, hein. Et bien, en fait, on a à 50 km/h l'impression d'être à 250 dans ces fameuses lignes droites et dans ces fameuses portions du circuit ouvert. Alors maintenant, je vais me taire parce que je sais blablabla, et puis je vais profiter un petit peu de la conduite de cette voiture. Un petit peu de décibels, oh là 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 là. Ça chante, hein, ça chante vraiment. Alors c'est rigolo parce que moi, depuis le début du road trip, j'entends la voiture de l'extérieur, et en fait on n'a pas du tout le même ressenti à l'extérieur qu'à l'intérieur. En fait, ça chante tellement plus à l'extérieur. Ça chante un peu quand même. Après, la question, c'est est-ce que je ferai 500 km comme ça? Pas forcément quand même. Pas forcément. Alors, moi, je trouve que je suis bien assis dans le baquet, je suis hyper bien maintenu. La position de conduite est droite, hein. Je vous rappelle que l'inclinaison du siège n'est pas réglable sur ces baquets, qui sont des baquets en option quand même, hein. Et je viens de remarquer que la zone rouge ici, elle est à 9000. Dans la sport classique, elle est à 7000. Il y a 2000 tours minute de plus sur ce moteur atmosphérique. Franchement, prendre ce moteur, le mettre dans l'autre et on a le combo, mais ultime. Tiens, une sport classique dans mon rétroviseur. Yo, les amis, ça chante la diva. Oh là 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 là, quel kiff. Regardez où on arrive, la maison, elle est là. Allez. Tu sais que je parle pas parce que je suis en plaisir absolu là. Oh là 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 là. Là, c'est l'entrée du circuit, j'ai tellement envie d'y aller là. Il faut avoir un peu de recul sur soi-même et avoir conscience de son physique. Et là, ça va être la séquence où je vais sortir de la GT3 et encore une fois, je vais tenter de garder un semblant de dignité. Allez, on est parti. Alors, t'as gardé de la dignité jusqu'à la dernière seconde. Bon, allez, à moi d'essayer cette petite perle. Bon, démarrage à gauche. Ah oui, c'est un embrayage. Bah oui,
boîte manuelle, j'avais oublié. Ah, c'est beau quand même. Magnifique. Pendant que Cyril fait son petit tour. Alors, réglage électrique, j'avoue que ça change. Hein. Les sièges, le confort. Bon, toujours le démarrage à gauche pour appuyer sur l'embrayage. On se met en première, boîte manuelle, là cette fois-ci à 6 rapports. Bon, déjà, 7 rapports, j'ai pas vu le 7ème, pardon, très important. Bon, on va faire un petit tour, mais déjà c'est super confort. Hein. Et au démarrage, tu as vu, j'ai même presque pas entendu le moteur si on la compare à une GT3. Chercher les palettes. Ah, c'est violent quand même. Hein. Brutal. Ah oui, c'est brutal au niveau des passages de rapports. J'aurais aimé avoir de l'alu, quoi. Moi je chipote, hein, c'est pas ma voiture. Je vais tout faire pour vous voter la GT3 Touring, donc n'hésitez pas en commentaire à dire que la GT3 Touring c'est la meilleure. Mais c'est vrai que la boîte manuelle, je l'aurais plus vue sur la GT3 Touring. Je suis plus dans la philosophie, tu vois, le côté viril, le côté sport. Ouais, mais tu vois, dans un sens, je me dis GT3 Touring, tu pars sur une piste start, tu pars pour faire du chrono. Et oui, sur une chrono, tu performance de la boîte PDK, je suis d'accord, c'est vrai. Je suis d'accord sur ça. Allez, ah, et le petit talon pointe automatique de la boîte en mode sport plus. Ouais, double débrayage. Ah ouais. Double débrayage, ça c'est plutôt pas mal avec un petit filet de gaz, justement pour se mettre au bon régime. Et les relances, allez c'est reparti. Alors, il y a vraiment cet effet turbo qui est assez impressionnant et déroutant quand tu passes d'une Atmo. Tu pousses à partir de 4000 tours jusqu'à 6000 tours, tu as tout. Donc ça envoie la sauce. Et donc faut être prêt quand même parce que c'est très sensationnel comme sensation. C'est beaucoup moins progressif que la version Atmo. Ouais, c'est différent en tout cas. Alors là, c'est quand même mythique de rouler sur le circuit des 24 heures du Mans. Alors on est sur route ouverte et c'est, ça en fait aussi la particularité. Et ouais, c'est ce petit logo Porsche. Voilà. Ah, une petite fierté. Pareil, tout à l'heure, on a croisé une belle Porsche 911 Targa. C'était des luxembourgeois. Bon, le petit salut, parce qu'entre porchissement, on se salue. C'est quand même cool. Ah, le petit talon pointe, là, il est vraiment pas mal. Le double débrayage automatique. Ah, là, ça te fait vraiment... C'est d'autres sensations, finalement, que la GT3 Touring. Ah, c'est vraiment deux voitures complètement différentes. Deux philosophies différentes. Allez, on va se faire le petit Indianapolis, quand même, hein. Puisque dans quelques semaines, il y aura les 100 ans des 24 heures du Mans. Donc, gros événement assez impressionnant. Il n'y a plus de place. Guichet fermé. Guichet fermé, exactement. Là, rien, tu prends. Hop, alors là, on fait le circuit inverse. Allez, t'es prêt? Et ça tient super bien la route parce qu'il a les roues arrière directrices, le malin. Il l'a pas dit tout à l'heure ou il l'a peut-être dit, mais ça joue beaucoup sur le comportement. En fait, finalement, cette Porsche, elle est trop facile et on va trop vite avec. Et moi, je préfère la GT3, objectivement parlant, bien sûr. Mais ça va, elle sonne plutôt bien. Ouais, elle sonne bien, ça va. Bon, t'as l'échappement sport que j'ai coché ici, mais non, c'est plutôt pas mal. J'ai la chance, j'ai les deux clés, on va parler volume de coffre. C'est quand même important quand tu pars en week-end avec madame dans une Porsche. Ici sur la Sport Classique, on a que 132 litres de volume de chargement. Autant vous dire que sur la GT3, on en a plus. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière, regarde, tu as 264 litres de plus. Donc, tu peux emmener plus de bagages dans cette GT3 Touring que dans la Sport Classique de Cyril. Il est là, je dis rien. J'ai rien dit. Tiens, je te redonne tes clés. Ouais, on y va. Bon, pendant que messieurs sont en train de ranger leurs affaires, regarde. Tu as ici le petit brillant qu'on a mis sur les pneus, ça fait au moins plus de 100, voire 200 km qu'on roule et il est toujours aussi brillant ce pneu. Bon écoutez, hein, si vous voulez rajeunir un petit peu vos pneumatiques et vos jantes, vous savez quoi prendre. Bon, elle m'avait manqué ma petite GT3 quand même. Bah, en conduisant la Sport Classique, j'ai pris conscience que je préférais largement la GT3 Touring, j'en suis tout ému. On est connecté avec cette auto, il y a le feeling avec la direction, châssis vraiment de compétition, le moteur, enfin, elle fait corps, on fait corps avec la voiture et c'est ce qui manquait. Et puis ce démarrage. Je suis désolé, mais. Alors je prendrais peut-être la boîte manuelle quand même. La boîte manuelle, c'est quand même plus intéressant. Les puristes apprécieront. Alors on a le capot avant qui est ouvert, je vais juste le fermer.
hop, c'est première, et puis on va aller manger. Direction un restaurant près des Hunaudières. Autant vous dire que ce road trip 100% sartois invite à la passion automobile, et ça c'est plutôt cool. Allez, on se met en mode sport pour le plaisir des oreilles. C'est ça qui me manquait. Tiens, viens voir. Si je cache le 9, ça fait quoi là? 72. Le département de la Sarthe, on y est, non? Bon, c'est une voiture de course, la GT3. Tant qu'on est dans les petits détails, on est où là? Eh ben, on est sur la ligne droite des Hunaudières, à l'auberge des Hunaudières. Lieu mythique, s'il en est, parce que en fait, c'était ici qu'il y avait eu le départ, et un truc de malade. On vient de l'apprendre. Les pilotes s'arrêtaient là, en course, hein, pour boire une bière, et repartaient. C'était le ravitaillement de l'époque. Tranquille. Ah ouais, c'est ça. Bon, plein de petites anecdotes autour de ce circuit, c'est sympa. Ouais, et puis on va en profiter pour remercier Denis. Denis qui a été notre guide aussi. On a visité les coulisses des 24 heures du Mans. Alors, c'est en plein changement. Ils sont en train de préparer les 24 heures. C'est fou. On voit que ça a une vraie fourmilière. Ça grouille de partout. Il y a des camions et tout. Donc, ils ont 3 semaines pour tout d'aplomb sur ce fameux événement, hein, 100 ans. On a vu le PC course avec tous les écrans. Il n'y a pas un angle mort sur les 13,5 km du circuit. Pas un angle mort. C'est couvert entièrement. Même cette partie-là, là, la ligne partout. Droite, tout est surveillé. Ouais. Ouais. On a vu la salle presse, le PC, ouais. La tour de contrôle si tu veux. Ouais, ouais. On a vu plein de petites coulisses, ce qui fait que on a eu de la chance finalement. Et puis merci Denis quand même d'avoir. Merci Denis, parce qu'en plus on est monté sur le podium. On est monté sur le nouveau podium. Hein. Attention, c'est un nouveau qui est en train de se faire. Donc grosse exclusivité parce qu'ils sont en train de tout rechanger avec des gros écrans, tout ça. Et puis Denis, tout au long de cette journée, nous a narré les histoires toute l'histoire. De chaque personnage important. Que ce soit au Mans, que ce soit au Porsche Experience Center. Exactement. Histoire de Porsche, histoire du Mans. C'était cool. C'était top. Et puis merci à tous les petits passionnés qui gravitaient autour de cet événement. La gentillesse de Cyril, faut le dire, qui a partagé aussi ce bonheur avec eux. Le bonheur, ça se partage. C'est top. Mais moi, tous ces car spotters, je les aime bien parce qu'ils sont super gentils. Bah, c'est la famille. C'est la famille. Ils osent pas demander, ils sont là, ils regardent. Venez nous voir les car spotters. Si on peut, on vous fait partager les voitures. Passez. Et souvenir aussi des 24 heures du Mans. Le premier circuit faisait plus de 103 km. Il faisait toute la Sarthe, passait par la Ferté-Bernard. Et il le faisait 12 fois. C'est incroyable. Et c'est là aussi où, comme tu disais hier, c'est un laboratoire technologique. C'est là où on a pu voir des grosses évolutions technologiques. Ce que Denis nous disait, c'est qu'au départ, en 1903, les voitures, c'était des voitures catalogues, donc des voitures de série. Ouais. Et ils se servaient des 24 heures pour tester et éprouver les voitures, en fait. Les essuie-glaces, ça vient des 24 heures du Mans. Le pare-brise. Oui, voilà. Bon, des petits détails aujourd'hui, on dit c'est normal d'avoir des anti-brouillards. Si j'ai un conseil à donner, c'est n'hésitez pas à venir. Ah, oui. Tout ce qu'on a fait là, c'est ouvert. Le Porsche Experience Center, c'est ouvert à tous, vous pouvez y aller. En fait, c'est plein de petits trucs qu'il faut faire autour du circuit. Ouais. C'est tout bête, même l'Ibis Hotel Mussan. À Mussan. Il est à faire. Bon, alors par contre, les prix le jour de ce week-end. Et 4 ans de réservation. Et x6 au niveau du prix. Ouais. Bon, c'est déraisonnable, mais c'est passionnant. Et puis, encore une fois, remercions aussi tous les Anglais. On en parlait hier avec Denis, mais c'est grâce aux Anglais aussi que les 24 heures du Mans ont pris cette ampleur internationale. C'est juste incroyable. Voilà. Bon, on pourrait en parler encore. Ouais, parce que là, on est lâché. On avait dit 1 minute. 4 minutes. Voilà. Mais on a vécu en 24 heures. On a vécu un truc de dingue. Plein de choses. Un truc de dingue. Pas autant que la GT3 Trulli. Allez, hop. Bon, on reprend les voitures. Allez, on reprend la route. Et puis, on vous dit à tout à l'heure. Je vous entends pas. C'est une voiture électrique. Je vous entends pas. On peut pas être parfait, hein. Non. Allez, roule. Attends, je mets le GPS. Il y avait une mouche. Allez, c'est la fin. C'est la fin d'un beau road trip Manso
On n'a pas mangé de rillettes, mais ce fut très bon. Ouais, on a vu surtout plein de choses. Plein de belles histoires. On est là que depuis un peu plus de 24 heures et on a vécu 36 trucs différents. C'est ça, ouais. Chaque heure, il y avait quelque chose. On est passé voir les copains de chez Le Mans Auto Racing pour finir. Pro du film PPF, si vous voulez protéger un petit peu votre Porsche. Beaucoup de propriétaires réclament aussi ce genre d'options supplémentaires. Ça permet de donner une longue vie à la carrosserie et éviter les impacts, c'est pas mal. C'est on cool. espère que vous avez vécu l'aventure avec nous, que vous avez bien aimé aussi les voitures. Oui, des belles voitures finalement. Hein, on est derrière, à votre avis. On a choisi, l'élu, elle est là. Non. Elle est là. J'ai des trois quoi. Tu sais pourquoi on est devant celle-là? Non. Parce que comme ça on voit mieux l'autre. Ah pas mal, pas mal. Bon en tout cas j'espère que ça vous a plu. Pas mal de soutien et on était très contents de fêter ces 100 000 abonnés avec vous. Hein, et puis encore une fois, merci à notre partenaire de cette vidéo, de ce road trip. Merci à tous. Merci à eux. Franchement c'est top. Merci à vous de votre soutien. N'hésite pas, si toi encore tu n'es pas encore parmi ces 105 000 abonnés, bah, abonne-toi. Tu seras le 105 000 unième. Et on ne fêtera rien pour celui-ci. On se donne rendez-vous à 200 000. 200 000 quand même, c'est pas mal. Ouais, ça va 200 000, faire. C'est pas mal, ça peut être cool. Il n'y aura pas de trophée, mais on fera une petite vidéo un peu sympathique, comme dans Zedir là. Et puis on se donne. Et puis bien sûr, un peu de soutien quand même. J'ai juste une question à poser. Vous seriez prêt à mettre 300 000 dans une Porsche? Vous avez 2 heures, prenez une copie double. Le petit pouce pour le soutien, bien sûr, les amis. On n'aime pas faire ça, mais on est obligé. C'est YouTube qui nous impose. Sinon, si vous ne mettez pas de pouce, la vidéo sera un peu moins vue, moins visible. Et on s'est quand même donné beaucoup de mal pour faire ce road trip. Donc, après, un peu de soutien. Et après, YouTube. Okay. Tout. Merci beaucoup. Allez, à très vite. Merci vraiment. Bisous. Merci de votre soutien. Kiffez. Nous, on kiffe. Et on vous dit à bientôt. Fais du bien au cœur. Ciao. Ciao.